Salut à tous, c'est Roxas. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu des crews dans lesquels je suis, parce que vous êtes plusieurs à me demander de venir dans le crew. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ça fait un moment que je voulais vous en parler et je l'avais toujours pas fait, donc on le fait aujourd'hui. On se retrouve tout de suite sur le Social Club et on va aller sur mon profil. Donc mon profil, vous voyez que j'ai 5 crews, 5 crews. Donc dans la gestion des crews, j'ai le crew PS4 Gamer France, celui dont on va parler puisque c'est le FRPS. Le Content Creator PS4, c'est un gros crew de création où il y a les plus gros créateurs de courses What the Fuck. Le FR Player Stunter, qui est FRPS aussi, que je vais vous parler juste après. GTA Elite Stunt Crew, qui a été créé par Mr. Nice Guy. Pareil, c'est pour trouver des activités aussi sympas que j'ai ce crew là. Et le Wallrider PS4, c'est un français d'ailleurs qui est à la tête de ce crew là. Et pareil, c'est pour les activités et retrouver des membres sympas aussi. Donc on va commencer par le PS4 Gamer France, donc celui dans lequel je suis, dont je ne suis plus d'ailleurs le chef de crew depuis un petit moment. C'est mon ami Raptor 5988 qui est le chef de crew. Donc voilà, quand vous voulez faire une demande dans ce crew là, il faut vous faites la demande et vous serez contacté par un administrateur du crew ou modérateur, appelez-les comme vous voulez. De toute façon, c'est les capitaines du crew dans tous les cas qui vont vous envoyer un message quand vous aurez fait une demande, car comme vous pouvez le voir, on le voit pas là, mais c'est un crew sur invitation seulement. Donc, vous pouvez pas rentrer comme vous voulez, voilà. Donc quand vous faites la demande, vous avez un administrateur qui va vous envoyer un message. Donc ça peut être soit dans les 5 minutes qui viennent, soit dans les 2 heures, soit dans la journée, mais dans tous les cas vous serez contacté et on vous demandera deux choses. La première, ça va être votre PSN, s'il est différent de votre social club. Je dis bien le pseudo social pseudo PSN. On vous demande pas d'informations comme comment ça s'appelle, votre mot de passe, etc. On vous demande que vos pseudos, c'est tout. Donc le pseudo, simplement, et votre âge. Car le crew PS4 Gamer en France est limité à, pour rentrer, il faut avoir un minimum de 17 ans. Alors avant c'était 15 ans, depuis ça a été monté à 17. Voilà. Donc comme je vous dis, on est plusieurs administrateurs dans le crew. À diriger le crew, il n'y a pas qu'un chef de crew, il n'y a pas que moi qui le dirige, on est plusieurs à prendre des décisions, voilà, c'est comme sur un forum, etc. Vous avez plusieurs personnes qui le gèrent, on prend des décisions à plusieurs, donc voilà comment on le gère. Donc la première chose, si vous remplissez ces conditions là, c'est-à-dire que vous avez 17 ans, que vous avez donné votre pseudo social club, enfin pas votre pseudo social club, pardon, votre PSN, et que tout est bon, bah vous aurez une invitation dans le crew. Alors sachez, c'est pas la peine de mentir, l'âge on finira par le savoir à un moment donné et tout ce que vous aurez gagné c'est être exclu. Voilà, c'est pas le but de vous exclure hein. Pourquoi on fait cet âge limite là? Tout simplement pour jouer avec des gens matures, parce qu'on est tous plus ou moins matures, même si on reste des gamins quand même. Et donc plus souvent on joue à des heures aussi qui sont plus tardives le soir. Ce qui fait que la plupart ne peuvent pas jouer avec nous, voilà. C'est un peu ce but-là. La seconde chose qu'on demande à avoir, ça va être de mettre le crew en principal. Donc je vais vous montrer dans gérer le crew. Quand je vais dans gérer le crew et archi, vous verrez que tous les gens qui sont dedans sont, comment ça s'appelle, en représentants, parce qu'ils ont le crew actif. Tous ceux qui ne sont pas représentants, qui sont hommes de main, c'est qu'ils n'ont pas activé le crew, ils n'ont pas mis le crew en principal. Et sachez que au bout de très peu de temps, vous serez exclu du crew parce que le crew n'est pas en principal. Alors pour deux raisons aussi pour laquelle on demande le crew en principal, pour que tous les membres puissent se retrouver dans des sessions, puissent jouer ensemble, car si vous activez pas le crew, forcément, vous ne mettez pas en principal, des gens, d'autres membres ne pourront pas vous voir et ne pourront pas jouer avec vous, ne vous reconnaîtront pas sur la carte parce qu'il n'y aura pas le rond vert autour de votre petit point blanc.
Voilà, donc pour trouver des activités et jouer tous ensemble. C'est pour ce but-là. Et deuxième chose, c'est pour la gestion du crew. Donc on met les représentants, on voit plus facilement qui a activé le crew ou pas. Donc à partir du moment où vous n'activez plus le crew, vous retombez en homme de main et au bout de quelques jours, vous êtes exclu. Ensuite, pour vous donner la raison pour laquelle on demande le PSN et le Social Club, enfin le Social Club, on le voit quand vous faites la demande, mais le PSN, c'est tout simplement que si quelqu'un fout la merde dans le crew, on va le dire comme ça, hein, si quelqu'un fait n'importe quoi, etc., tue d'autres membres, car ça fait partie de la règle du crew de ne pas tuer les autres membres. Si quelqu'un donc vous tue et continue, s'en fout royalement que vous soyez du même crew ou pas, et qu'il n'a pas le même pseudo Social Club et le même PSN, on ne pourra pas savoir qui c'est et on ne pourra pas l'exclure du crew. Voilà, c'est simplement pour cette raison-là qu'on vous demande votre PSN et le Social Club si on ne le voit pas sur le social. C'est juste pour ça, tout simplement. Voilà, je pense que c'est tout pour le PS4 Gamer France. Donc ensuite, vous allez avoir le FR Player Center. Donc celui-ci, c'est moi qui l'ai créé pour vous en fait, pour les abonnés qui n'ont pas l'âge requis, qui n'ont pas l'âge donc minimum de 17 ans et qui ne voudraient pas forcément mettre le crew en principal. Voilà ce que je peux comprendre. Mais dans le PS4 Gamer France, ça me fonctionne comme ça, donc c'est pour ça que j'ai créé ce crew-là. Donc je savais pas trop comment l'appeler, j'avais pas envie de l'appeler forcément Roxas YouTube ou un truc comme ça, je trouvais pas ça terrible. Et j'avais envie qu'il soit quand même FRPS malgré tout, donc c'est pour ça que je l'ai appelé FR Player Stunter, donc FR pour français, et Player Stunter. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas français, vous pouvez pas venir. D'ailleurs, pour revenir vite fait au PS4 Gamer France, on ne prend à 99,9% du temps, on prend des francophones. Donc aussi bien des Belges, des Suisses, des Français, à partir du moment où vous parlez français, même si vous êtes étranger, vous pouvez rentrer dans le coup. Mais on essaye quand même d'avoir que des gens qui parlent français pour avoir une meilleure communication et pouvoir jouer ensemble. Voilà. Donc pour en revenir au FR Player Center, donc ce coup-là, je l'ai créé comme je vous dis pour... D'ailleurs, je l'ai marqué là. Hein, Roxas YouTube et celui-ci, ben, vous pouvez rentrer adhésion libre, donc vous y rentrez comme vous voulez, vous en partez comme vous voulez. Il est fait pour vous, il est fait pour ceux qui n'ont pas envie d'activer le crew, il est fait pour ceux qui n'ont pas l'âge requis et pour ceux qui voudraient nous rejoindre dans les activités. Pour l'instant, on n'est pas beaucoup, donc c'est vrai que je le mets pas souvent en principal. Maintenant, à partir du moment où on sera beaucoup et que des activités seront lancées, je le mettrai en principal. Et de cette façon-là, vous pourrez très bien nous rejoindre. Voilà. Donc après, c'est pas limité. Le problème, c'est que moi, je suis sur PS4, donc je pourrais pas jouer avec des gens qui sont sur PS3. J'ai pas de Xbox non plus. J'ai pas eu de Xbox One non plus. Mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas venir. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Et on va parler vite fait du groupe Facebook. Donc voilà, ça c'est le crew PS4 Gamer France donc de Facebook. Si vous êtes membre du crew, vous avez accès au groupe sur Facebook si vous êtes intéressé pour y venir. Par contre, forcément, il n'y aura pas de comment ça s'appelle. Vous ne pourrez pas venir dans le groupe si vous n'êtes pas membre du crew PS4 Gamer France. Et si vous êtes membre du crew FR Player Center, vous ne pouvez pas non plus rentrer dans le groupe PS4 Gamer France. Donc il se trouve à l'adresse PS3 Gamer France, parce qu'à l'époque, on l'avait créé quand on était sur PS3 et que le crew PS3 Gamer France existait. Ce qui n'est plus le cas avec le PS4. Voilà tout ce que j'ai à dire. Par contre, si vous voulez venir dans le groupe où je suis aussi je suis aussi admin du groupe, pardon. C'est le groupe de mon ami TheQGFunny. Donc si vous voulez taper, vous regardez, il a une chaîne YouTube aussi, TheQGFunny. Enfin, c'est QGFunny tout court sur YouTube. Et donc voilà, si vous voulez y rentrer dans ce groupe-là, vous pouvez, il n'y a pas de souci, on peut discuter un peu de tout et de n'importe quoi. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc vous avez toutes les bases.
pour entrer sur le crew PS4 Gamer France, il vous faudra donner votre pseudo PSN quand vous allez faire la demande, et votre âge, donc minimum 17 ans, et respecter certaines règles que vous trouverez dans la description du crew. Ce qui pourra vous donner droit, donc si vous êtes membre de ce crew-là, à venir dans le groupe PS4 Gamer France. Et si vous n'avez pas l'âge requis, vous n'avez pas envie de mettre le crew en principal, vous avez le crew FR Player Stunter. Ensuite, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez aussi le crew Wallrider PS4. Si vous avez envie d'y aller, il est ouvert. En plus, Vincent est super gentil, français, et lance régulièrement des activités. Donc voilà, vous savez tout. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. We'll be right back.